Bonjour tout le monde, ici Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller. On continue l'aventure du jeu Chrono Cross live sur la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Je me trompe pas ici, je vais peut-être utiliser. Il m'avait dit qu'il fallait utiliser la flûte à partir de nouveau. Ok, c'est pas sûr. L'intégralité du fruit d'antan est désormais été consommée. Dès qu'il n'y en a plus. Il y a peu de fruits d'antan. Qu'est-ce que lui va dire? Vous voulez vous rendre sur la terre d'antan? Dans ce cas, appelez l'hélicoptère ici. Il faut utiliser la flûte et le fruit. Et ce n'est plus. Louez-moi un ami parrain de Biba. Si vous avez quelque chose à demander, n'hésitez pas. Togo m'a prévenu de votre arrivée. Oh, c'est vous, on est enfin prêt. Il ne vous reste plus qu'à convaincre mon père de bien vouloir approcher le bateau du Morbule. Mais c'est le plus dur. Je me demande s'il existe quelqu'un qui saurait le convaincre. Si oui, il faudrait que ce soit quelqu'un au cœur noble qui rappelle comment il était avant.
Steele Nagant, quelqu'un qui pourrait convaincre son beau-père. C'est qui, alors? C'est à vous de jouer. Yotox 47, comment ça va? Yotox, Yotox, Yotox. Comment ça va, mon Yotox? Tu viens d'où? À quel endroit en France? Hé, le radical! T'es moi? N'ose même pas te comparer à moi. T'es une mauviette, turbo-père. C'est pathétique. Moi aussi, j'aurais pu devenir mou, du genou comme toi. Je connais déjà le plan. Ce bateau va mettre le cap sur Marbule, Turbo et son bateau suivront, et on passera la complainte à fond pour qu'on l'entende sur toute l'île. Quand les esprits des rêves s'éveilleront, on les éliminera un par un. Les ailes baissent. Il ne peut plus voguer. Je peux plus le barrer. À qui c'est qui te le demande? Écoute-moi, matelot. Ce navire s'appelle plus le Zelbès maintenant, mais l'Invincible. Mettez le cap sur Marbule et tout à vos postes. Ça ne sert à rien. On verra bien. Allez, tout le monde, on va reprendre Marbule, notre belle île. Ouais, c'est parti! Un. Deux. Un. Deux. Un. Deux. Turbo, comment c'est? C'est même pas ça. C'est le besoin irrépressible de rentrer chez soi qui fait avancer le bateau. Tu veux dire, les demi-humains? Une fois le navire à Marbule, Turbo entamera son cancer. On va tous faire pour tirer ces monstres de leur cauchemar. Adieu, Turbo père. J'ai entendu raison. Il est grand temps. Et t'en face au temps.
On dirait qu'ils ont finalement réussi. Ça y est, mes amis, Marbule est droit devant. Eh bien, le moment est enfin arrivé. Spectacle. Me voilà à la dérive encore et encore. De combien de rêves me suis-je réveillé? Ou combien de matins ont déjà défilé? Les jours où la victoire marquait une conclusion. Les amis d'hier sont ennemis de demain, hostilité et trahison vont régner. Quiconque réussit à atteindre l'apogée n'a plus qu'une seule perspective, le déclin. Tout est perdu, les blessures autrefois synonymes de gloire ne sont plus que souffrance et désespoir. Me suis-je réveillé ou suis-je désormais? Me trouvais-je dans les tombeaux des narvals osselés qu'on dit reposant au fond des mers? Où suis-je? Ainsi donc, je me retrouve seul, abandonné de tous. Trahi par ceux en qui je croyais. Ils sont loin, les amis qui partageaient mes rêves. Je suis seul, sans personne pour partager ma peine. Ici, quelqu'un serait-il ici? Par ici. Est-ce vous qui avait choisi de me sauver? C'est tout à fait exact, puissant matelot. Vous n'êtes pas une demoiselle, mais une sirène. Cela provoque-t-il votre étonnement? Nul autre que vous ne m'aurait offert son aide. Je suis maintenant votre obligé, douce sirène. C'était la seule chose à faire. Mais pourquoi êtes-vous seul ici-bas? D'où proviennent ces blessures qui vous font souffrir? C'est une histoire si triste qu'il vaut mieux la taire. Si vous ne souhaitez pas parler de telles choses, je ne cherchais pas à vous forcer la main. Pourriez-vous me conter l'amour, le monde d'où vous venez? Je vous en supplie, arrêtez. N'en dites pas plus. Quelle malheureuse histoire que la vôtre. Vous ne devriez plus jamais guerroyer. Le monde d'où vous venez ne laisse aucune place pour le plaisir et la joie. Le plaisir? Cher marin, entonnez donc votre air préféré, une chanson splendide d'un monde qui m'est presque inconnu. Une chanson? Je n'en connais aucune. Pourquoi vouloir entendre ma voix, nymphe aquatique?
Que retirez-vous de ceci, sûrement rien? Oh, quel triste et misérable homme vous faites. Le chant est bien plus. Le chant est bien sûr le délice de l'âme. Il adoucit les peines des personnes affligées et permet de partager la joie des êtres heureux. Oui, c'est l'essence même du chant. Si vous le dites, je suis prêt à vous croire. Malheureusement, chanter n'est rien pour moi. Il y a fort longtemps que je n'ai ni pleuré, ni ri. Ineffaçable nostalgie en ressort. J'ai le sentiment d'avoir entendu ce chant il y a fort longtemps, dans un endroit oublié. Cette mystérieuse mélodie m'entoure d'une aura bénéfique et réconfortante. C'est un chant sacré de mon île, une complainte transmise de génération en génération. Vous ne la connaissez pas, elle vous a touché. Et maintenant, promettez-moi quelque chose. Pour me remercier de vous avoir sauvé, faites-moi le plaisir de la chanter pour moi. Attendez, ceci, je ne peux point le faire. Il y a une différence entre pouvoir et vouloir. Je vous en prie, exaucez cet unique souhait. Attendez, ne vous en allez pas, s'il vous plaît. C'est comme je le craignais. Je suis incapable d'interpréter une musique si parfaite. Salut, Sip37. Salut, Jess. Comme vous avez l'air trouble. Qui êtes-vous? Notre sœur ne se montrera pas tant que vous n'aurez pas chanté la complainte. Je vous en supplie, apprenez-moi à chanter. Nul ne peut apprendre la musique et la chanson. Il faut les ressentir au fond de son être. Pour commencer, essayez de jouer les notes. C'est terrible, il n'en ressort aucune émotion. Il n'est pas nécessaire d'être musicien pour savoir exprimer ses sentiments. Cela revient à traduire les pensées de votre cœur, des pensées que les mots seuls ne peuvent retranscrire. Soyez l'instrument de ce que vous voulez dire. C'est beaucoup mieux. Continuez sur cette lancée. Vous êtes un homme bon, cela transparaît dans la mélodie que vous produisez. Oui, vous avez trouvé ça hier, comme cela devient amusant.
Alors, qu'en pensez-vous, ma douce sirène? Magnifique, chaque note enveloppe mon âme. Si jamais un jour vous êtes désespéré, étonnez ce chant et surtout rappelez-vous que nos cœurs ont ici battu à l'unisson. Et soyez sûr que ce moment perdurera. Regardez les étoiles briller au rythme de notre chanson. La plus brillante est l'étoile de Diarmoud. Et à côté, c'est l'étoile de Grania qui, lui, nous les marins naviguons en suivant ces deux astres. Vous êtes un homme de savoir, j'ignorais le nom de ces belles lumières. Je les prenais pour des joyaux qui scintillaient au firmament. Je n'avais jamais vu qu'elles étaient aussi belles. Je ne les avais jamais vraiment regardées. Je n'avais jamais entendu le chant qu'elles m'adressaient. Après ce jour qui m'a semblé être des jours entiers passés à chanter avec vous, je m'aperçois qu'on ne voit qu'une petite partie de ce qui nous entoure. Les scintillements des étoiles, le ressac des vagues, même le silence. Nous communions avec. Il est étrange de soudain réaliser que nos deux mondes partagent les mêmes étoiles. Je vais bientôt devoir rejoindre mon monde. Pourquoi, mon cher, n'aimez-vous donc pas être là? Ce qui me traque approche. En restant ici, je mettrai sans aucun doute les vôtres en danger. Alors permettez-moi de vous accompagner. Jamais je ne permettrai une telle chose. Il suffit d'un pas hors d'ici pour se retrouver happé par des tempêtes puissantes et des guerres meurtrières. Et pourtant, malgré ces perspectives, vous voudrez venir? S'il y a bien une chose dont je suis sûr, c'est que nous ne pouvons pas jouir de la paix tandis que le reste du monde est en guerre. L'amour que nous partageons peut rayonner. La nature et l'humanité désirent sans nul doute avancer, main dans la main. Alors venez avec moi, ma belle fille de la mer, jusqu'à ce que le monde vive en harmonie. Ce jour-là, je vous ramènerai sur cette île. À ce moment est unique, celui-là. Nos deux mondes seront alors réconciliés avec la nature, et les autres aussi, et feront résonner notre hymne favori. Ensemble, nous construirons ce nouveau monde. Venez, ma destinée, venez. C'est son histoire à lui et sa femme, ça. Et lui qui est en train de l'interpréter, c'est son fils. Oh, Zelbès, est-ce que cette complainte te touche? C'est toi qui l'as prise. Pendant longtemps, j'ai cherché à retrouver ce que j'avais perdu sans y arriver. Maintenant, je sens que la seule chose importante est enfin revenue. Grâce au trésor inestimable que tu as laissé, donc, t'es content pour moi aussi? Zelbès est le nom de sa femme. Malgré ce qu'elle a dit, je n'ai pas non plus été capable d'honorer la promesse que j'ai faite à Zelbès. Son rêve est aussi mon rêve. Zelbès, j'avais promis de plus jamais utiliser cette arme, cette attaque. J'ai pas le choix. Je t'en prie, pardonne-moi. Cette fois,
Je te protégerai. Ce beau-père a brisé le sceau du trou interdit. C'est parti. Vous allez voir ce dont je suis capable. Ils ont intérêt à être prêts à Morbulle. Thomas, le grand explorateur. Bonjour les amis. Vous l'avez sûrement remarqué, nous avons un petit problème. Je sais qu'ils sont inoffensifs, mais ils se sont multipliés. Si ces monstres sont le cauchemar de quelqu'un, alors de qui? Et de quoi? Et cela vaut-il dire que si ces monstres meurent quelqu'un, quelque chose va se réveiller? Je parie que le rêveur est 10 fois plus redoutable que ce cauchemar. Sûrement un énorme dragon abominable. Thomas, le grand explorateur, oui. Eh bien, je crois que mon exploration ici touche à sa fin. N'allez surtout pas vous faire des idées. Je n'ai pas du tout peur. Bon, faites attention à vous. J'achète de quoi?
Ah, ils en vendent des soins intensifs, oui. Ah, c'est ailier, c'est pas ça qu'il faut. Thank you.
Hey, Diable Axella, comment tu vas, ma belle? Ça va bien, merci. Qu'est-ce que tu joues dernièrement? Ah ouais, lequel FIFA, le 22? Catégorie. Moi je joue à plein de choses, c'est Chrono Cross, Chernobyl Light, Samurai Jack, des jeux d'horreur, Lost in Random. Je me demande si je dois juste toutes les battre. Toujours, toujours. Mon but, c'est de voir des génériques. J'ai terminé près de 35 jeux en 2022 jusqu'à présent. Justement, j'avais oublié d'écrire le... Quoi de neuf? Pas grand-chose. J'ai mis ma maison à vendre, je l'ai vendue, là, il reste à recevoir l'argent dans 2 semaines environ. Je l'ai vendue 100 000 $ de plus que je l'ai payé. Toi, FIFA, tu joues à quel mode?
Clash équipe. T'amuses pas à faire de l'ultimate, là. C'est le mode le plus compliqué, là. Clash équipe, c'est un ultimate. Je m'en rappelle plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ultimate, d'accord. C'est le jeu qui m'avait mis ça à la map, ça. J'ai joué pendant 10 ans de temps. Ce qui m'a rendu populaire, c'est que j'avais toujours des équipes full légende. Beaucoup d'achats-revente aussi. La musique est bonne dans ce jeu-là. L'histoire est bonne aussi. Qu'est-ce que tu vas faire de bon aujourd'hui, Diablo Excella? Des courses pour la nourriture. Il arrive 17h chez vous. Ouais, ici, ici, il fait beau. Ça vous dit, il arrive. Et bientôt. Enlève 5 heures. Au Québec, tu devrais enlever 6, ici tu enlèves 5. Exact.
Après, je vais terminer ce jeu-là, ouais, dans 20... Ça dépend combien de temps avant de terminer cette mission. J'hésite de manger soit du rôti de bœuf ou du des restant ribs. Apparemment, ça va être les restant ribs vu que c'est depuis dimanche. Les côtes levées de porc. Plaisir de te voir, ça va passer plus souvent. T'as le Xbox Game Pass, toi? Excellent. Beaucoup de bons jeux là-dedans. Non, sur le Xbox Game Pass, j'ai fait des belles découvertes. Ah ben, j'espère que c'était pas toutes les battes qu'il fallait faire là, parce que là, calice.
pense qu'il fallait toutes les battre. Puis là, j'ai sorti, fait qu'ils sont toutes revenues. Comme un con. C'était un batch. Je passe à côté, je sors de la carte. Tabarnak. Faut que j'y vais dans un autre monde.
Allez, toi, hey, bonne chance, hein, mais t'es. Là, je réalise qu'il faut que je vais dans l'autre monde, quoi, et là. Je suis pas dans le bon monde. Ça fait 20 minutes que je perds pour rien. Ciao, ciao, ma belle. Bonne journée, bonne course. Donc c'était tout pour l'aventure du jeu Chrono Cross, live sur la chaîne du Caribou canadien. Oh yeah!